On n'attend pas les autres, frérot. On est bien avec soi-même. On est tout seul. On est bien entouré. On est bien entouré par soi-même. On est bien entouré avec soi-même. Tous les matins, je me lève, je suis mort de rire. Tous les matins. Et comme ce matin, par exemple, où là, je me suis levé plié en quatre, tellement c'était marrant. Et c'est tous les matins comme ça, crevé de rire en se levant. Ce matin, par exemple, je me lève, paf, bidonné, tellement c'est drôle, c'est super marrant. Et tous les jours, tous les matins comme ça, le fou rire, et c'est parti. Mais j'en peux plus parfois, je peux rien faire d'autre que me fendre la pipe. Ça use vraiment de se marrer tous les matins. J'habite cette ville. C'est presque une ville comme les autres. Une ville où on vous dit ça va et on répond ça va et ça va pas plus loin. Une ville où on se dit ça va et les autres ils disent ça va. Mais est-ce que ça y va? Ça va dans les villes comme dans tout plein d'autres villes. Ça, on sait rien si ça y va. On sait même pas si ça va y retourner. Si l'autre se retourne, qu'ils disent ça va. Mais on sait pas vraiment. Tout le monde se fout de tout le monde et les gens ont pas le temps. Ils ont juste le temps de se foutre de nous, c'est-à-dire de tout le monde. Et puis on fait partie des gens aussi qui se foutent de nous. On fait masse. On fait aussi dans le foutage de gueule généralisé. On fait ce qu'on peut, on fait partie des gens avec nos envies réfrénées. Si on s'est pas sociable, on fait semblant de s'aimer alors qu'on se déteste cordialement et tout le monde le sait, tout le monde sait ça en vrac. Mais le jour où tu dis ça va pas, il y a un vieux blanc, faut pas le faire trop souvent sinon c'est le bide assuré. Faut faire semblant d'aimer, faut faire aller, ça va, être un peu dans l'amitié. Mais l'amitié, l'amitié, les gens changent aussi, ça va, ça vient l'amitié. Toi aussi tu changes, tu dis ça va, mais c'est pas le même ça va. Il a changé le ça va, la vie avance et c'est pas acquis, rien n'est acquis. Le ça va non plus, le bonjour ça va de l'autre, il change et le mien aussi. Et pourtant il se répète, on peut faire va ça va d'un coup, va ça va d'une traite. Ou pendant 20 ans tu dis ça va 20 ans de rang. Et un jour c'est plus le même, ou alors dans la journée il y a va ça va. Mais pas un et le même, c'est des ça va qui varient, qui font monter la sauce, la température, la moutarde te monte au nez. À un moment donné tu vas dire ça va plus et ça va pas la tête, elle est partie depuis des lustres. Pas de nouvelles, bonne nouvelle, après ça ira mieux, ça peut pas aller pire. Et puis après, il faut partir, on se répète, tous les jours, les ça va qui nous viennent avec des lendemains peu sûrs, mais c'est les mots qui sont peu sûrs. Tout d'un coup, l'intention change, le ça va change de ton, on change de disque, c'est encore la formule, mais dedans quelque chose de pas bon, ça s'appelle l'intention, car les mots, ça n'a pas de sens. C'est pour ça que les gens se comprennent pas, car ils se méfient pas les gens, ils ferment pas assez leur gueule les gens, ils ferment pas leur ça va continue. Jour après jour, il prend le large, jour après jour, la grande gueule des ça va, comme la mauvaise gueule des jours. C'est mort ici, ou presque, c'est quasi mort, on en a plus pour longtemps. Ailleurs, c'était moins mort, mais ici, c'est mort, faut rester chez soi. Et même chez soi, c'est mort. La télé est morte. Vous sortez dans la télé. Vous voulez passer une bonne soirée. Mais c'est la télé qui veut passer une bonne soirée. Du coup, elle dit c'est mort ici. Et elle passe ses soirées ailleurs. On ne sait pas où. Certains savent où elle passe ses soirées, la télé. Pas chez moi, en tout cas. Chez moi, c'est mort pour la télé. Du coup, je la regarde. Je vois des gens sortir. Ils disent qu'ils sortent. Mais c'est pour faire un effort, pour dire d'être sorti. Puis après, ils re-rentrent. Il y en a comme ça qui sont morts de faire tant d'aller, ils n'aiment pour rien. Les experts vous diront, ne sortez pas, surtout si c'est mort tout partout. Pas d'aller est inutile, restez chez vous, même si c'est mort. Ils le disent tous, les experts, à la télé. Un jour, nous finirons poussière, comme il est dit. Mais poussière d'étoiles, poussière de galaxies, truc au loin, truc de gaz de mélange, truc suffocant, liquides infects, exhalaisons, ammoniaque et tout ça, tous les trucs ragoûtants de la nature. Parce que la nature, au fond d'elle, c'est ragoûtant, tout ça qui nous ragoûte chaque jour et qu'on veut oublier. Et qu'on oublie en vivant, c'est en vivant qu'on oublie mieux, c'est en vivant qu'on finit par mieux se soumettre à l'absence. Sinon, c'est trop présent, d'une seconde à l'autre, sa présence, ses gaz, son rayonnement, tous les trucs infects, et les trous de nous-mêmes en nous, tous les trous noirs de je et moi en nous,
pour nous, pour ne pas dire le point de nos rencontres, le point de nos vues, le point, la mesure, l'arête paradoxale, l'arête, le mouvement, le point d'accroche, d'annulation de tout, la rentrée définitive, le concert définitif, qu'on porte tous sous les bras tout ce qu'on est, à vouloir oublier que la nature, au fond d'elle, c'est ça, un immense trou noir, avec sa force centrifuge, truc et pollution d'imperte, à vie, à demeure, truc à foutoir permanent qui infecte l'espace entier, l'univers entier, et nous dedans, nous, dans l'univers entier, nous dans une marmite, nous petits marmitons, nous qui marmottons une marmite, nous qui sommes marmonneurs, marmonneurs jusqu'à toute heure, nous marmottons dans la marmite à nous poser, mille et une devinettes à nous marner du ciboulot, nous avec le moteur à marmotter, à mitonner, nous motodons, moltonner, nous militants de la pensée, la petite pente avec la pensée, petite bulle, nous qui montons comme des bulles dans la tête, nous qui pullons dans la marmite, nous qui marmitons à vouloir être comme des bulles à papoter, nous papotant, petite popote à la tête, petite pendrette et à demeurer, nous qui pensons demeurer dans la pensée, et que ça le ferait, et comme qui dirait ça pourrait influer, faire pencher le cours des astres, et philosopher sur les quasars, et comment dire je face aux quasars, et la naine blanche, et les neutrons en pagaille, les galaxies d'emmerdement, comment dire je sans emmerder le monde, et ces galaxies sans faire permanence dans l'esprit, comment dire je sans permanenter l'espèce d'un truc qui dure, qui ferait durer, espérer, quoi espérer, la seconde avant et la seconde après, après nous, le déluge, après le déluge, moi, après moi, l'autre, après l'autre, une espèce venue d'ailleurs, après l'ailleurs, l'avant, l'espèce d'avant, après l'avant, l'espèce d'après, et après l'après, le nous, mort de chez mort, le nous, le jeu, la seconde, l'après, l'avant, tout ça fondu, puis repensé, puis recraché, ouf, alors, peu importe à un moment donné comment je suis né, et pourquoi, pourquoi à un moment donné mourir, à quoi ça tient, pourquoi je ne me prends pas des avions dans la gueule toutes les minutes, à quoi ça tient, c'est pas de chance de jamais se prendre un avion dans la gueule finalement, c'est pas de bol, il y a pourtant beaucoup d'avions qui tombent et beaucoup qui prennent dans la gueule, pourquoi j'ai pas encore pris un seul avion, ni même un aéroplane ou un gros truc venu d'ailleurs, un bazar pris en bloc, en bois ou en roc, avec des minerais pas connus, ni boule d'acier, ni boule en terre, ni même une petite patate dans le coin de la gueule, une toute petite patate projetée dans le CO. Une toute petite patate qui viendrait comme ça, comme un avion supersonique, supersonique pendant la gueule à moi. Pourquoi ne pas aller valser plus loin pour éviter la valse, les gens qui tombent sur vous quand vous dansez ou quand simplement vous marchez, les gens qui valseraient autour de vous, qui tourneraient, les gens en vrille ou comme des obus, les machins qui tournent sans cesse et les fenêtres qui explosent, les trains qui déraillent, les bombes et les gaz. On est tous du gaz et on n'explose pas, on est tous des liquides et on s'empoisonne pas, on est tous des mélanges et on se mélange pas. Pas de danger, jamais être un truc qui fait semblant de valser, c'est-à-dire d'être, alors que rempli de trous et de loupages en formule seulement, la pensée va et ouf, la pensée perdure, la pensée couvre, la pensée colmate seulement, la pensée intensifie, calcule, la pensée pense seulement, la pensée a des choses à fournir, la pensée a des preuves, des formules, la pensée a des directions, des vents contraires, la pensée dirige les vents contraires, la pensée contrarie dans le bon sens, la pensée ordonne les trous, la pensée seulement, la pensée pense, elle fait des bons, arrange une occasion, une fuite, indique la belle journée pour penser, belle journée pour marcher, penser, belle journée pour se voir, marchander, être, vivre, penser, belle journée pour valser, et rien mieux que penser, car penser fait tout valser, ça ferait valser tout ce qui nous tient, nous retient, avale, belle journée pour se faire avaler, belle journée toujours, malgré les monstruosités, malgré les gros tas d'oubliés quelque part, malgré les monceaux de vermine qui sommeillent, car les monceaux sommeillent, et tous les trous et les monceaux et monticules, vaste champ de vermine et d'horreur en nous, tout ça qui danse pas, tout ça qui fait tas, tout ça qui sommeille dans la tête à nous, avant de prendre sa revanche sur la pensée. Mais ça rayonne aujourd'hui, la pensée rayonne, ça rayonne aujourd'hui. Belle journée pour penser. Restez cachés, restez dedans, les petits mots, ne partez pas dehors, restez noués, tassez-vous bien, au fond de ma gorge, dans les tréfonds de moi, dans les organes, l'organe d'une voix, la petite voix tout entassée, restez tassés, les petits mots, ne sortez pas, n'allez pas vous montrer, restez avec papa, restez, c'est le papa des petits mots qui vous parle, qu'est-ce qu'il a dit papa, il a dit quoi le papa des petits mots, il a dit de rester là bien sagement, tranquille, restez tranquille, les petits mots, moi tout grand, tout doux, tout doux, tout doux.
partir, papa va vous endormir, Toto, le petit mot. Allez, il était une fois, un grand méchant mot, il était une fois, des petits mots qui s'étaient perdus, et les méchants gens, ils voulaient du mal aux petits mots, parce que les petits mots, ils savaient pas les tout petits mots, tout gentils, au tout départ de tout, et les méchants gens, avec le temps, les méchants mots, ils les voient, les méchants gens, ils veulent les attraper pour dire les méchantes choses à tous les petits mots, et les remplir de méchantes choses en dedans, pour que ça grouille de toute la méchanceté dedans, pour leur faire avaler qu'il faut méchantement parler à tous les petits gens. Et les petits mots, ils résistent, c'est dur de dire des saloperies quand on est un petit mot tout gentil, tout mignon. Câlin, allez, câlin, dodo. Allez, papa, va aller dehors maintenant. Papa, d'aller travailler. Allez, restez noués, les petits mots, restez cachés, restez. Restez dans la salle de la gare, papa, oui, bonne santé, oui, comme ça.